Je mets près de moi et ne bavardez pas, car voici la balade de Robert-Fusée. Si elle n'est pas toujours tendre, faut pas vous surprendre, le bien et le mal s'y vont affronter. Voyez nos fusées comme elles viennent de loin, depuis l'immense domaine de Robin. Allons! Nous avons tous de bien allure, nous allons tous faire l'aventure. Dans le ciel résonne nos fusées, on peut nous arrêter, prenez place aux côtés de Robin. Il saura nous tracer le chemin, que vous crie de joie, j'aime l'acclamer, voici Robin. Commence de tonner, nous accourons pour nous grouper autour de Robin-Fusée. Et tous unis dans un même élan, nous combattons tous les méchants avec Robin-Fusée. Avec Robin-Fusée. Dans la vie de chacun vient un moment où l'ambition est plus forte que la raison. Et sur note, le prince Jean se prépare un cadeau pour son anniversaire. Ce cadeau ne peut qu'avoir un sens désastreux pour Robin la Fusée et ses joyeux compagnons. Nous nous battons contre les Martiens depuis des centaines d'années. Vous avez invité le plus dangereux d'entre eux au château même. Et vous dites que nous n'avons rien à craindre? Rien du tout. Ce sont des mercenaires martiens, des soldats payés pour se battre contre et pour n'importe qui. Et même pour leurs ennemis. Sire, le général Golden. Je suis là. Frais voyage sur facture aussi. Si j'aime faire affaire avec vous, je veux dire. Sinon, je prendrai quelque chose à mon départ. Ça vous plaira, vous serez bien payé. Voyez-vous, je vais m'offrir un cadeau d'anniversaire. Une partie. Une partie, oui. Et Robin la Fusée sera l'invité d'honneur. Vous, général, irez me le chercher. Non, pas de messager, soldat. Non, vous serez des envahisseurs. Peut-être j'aimerais travailler, peut-être. Vous et vos hommes, votre flotte entière tombera du ciel. Moi, comme défenseur du royaume, j'enverrai ma flotte pour vous repousser. Vous serez détruits. Laissez-moi finir. Nous le battrons bravement, mais nos chances seront minces. Là, j'enverrai un SOS à Robin la Fusée sur Sherwood, où se trouve cet astéroïde. Et je demanderai son aide. Robin, qui passe sa vie entière à faire du bien autour de lui, s'empressera d'arriver. Au signal que je donnerai, nos deux flottes s'uniront pour attaquer ce noble Robin et il sera à ma merci. Attends l'anniversaire. Charme! Certains vous pas un peu martien. Le ferez-vous? C'est méchant, c'est injuste, c'est mauvais, je le ferai. Il y a des nouvelles? C'est tranquille, il n'y a rien. Sauf que le prince Jean se prépare à donner un gala standide pour fêter son anniversaire. Pas d'école, pas de travail, c'est les vacances, la joie, le rire. Tout ça pour honorer le prince Jean. Ou alors... Il n'y a pas eu autre chose. Seulement ce qu'on t'a dit au sujet du prince Jean. Il veut s'assurer de recevoir des cadeaux de tout le monde. On devrait lui envoyer quelque chose. Oui, oui, un petit quelque chose qui ferait un gros boom. Comme ça, il se sentirait moins seul. Il ne nous a pas invités et je ne lui enverrai rien. Position, s'il vous plaît. Bonne direction. Le rendez-vous approche. Vous voyez quelque chose? Il y a des bips qui nous parviennent. Gardez pas ça de vue. Ces écrans vont me montrer où Robin la Fusée a placé l'astéroïde Sherwood. Et quand je le saurai... Pas encore parti. Sire, un mot signal, la flotte martienne sera là. 2, 1, ça y est. Je vous salue. Est-ce que vous êtes prêt? Prêt, je le suis toujours pour toute chose. Et vous? Je vous laisse l'honneur de tirer le premier coup. Je suppose que vous avez des armes blanches. Vous verrez. Ordonnance, les canons. Ouais. Feu. Passez écran. Virez à 90 degrés. Tire continue.
de vos rayons septembre. Commandant de groupe, feu sur toute cible. Gardez l'œil sur l'écran. Communication sur les fréquences d'alerte. Très bien. C'est prêt. J'appelle Robert Lafusée. J'appelle Sherwood. M'aidez, m'aidez. Appelez Robin, vite. J'envoie un m'aider. J'appelle Robin Lafusée sur Sherwood. Alerte intergalactique. M'aidez, m'aidez, m'aidez. Passez-le-moi. Une ruse. Il ne peut s'agir que d'une ruse. Nous verrons. On ne peut ignorer un m'aider. Ici, Robin Lafusée, répondez-moi, je vous reçois clairement. Quelle est la situation? Sommes attaqués par une flotte martienne. Nos chances diminuent à vue d'œil. Nous tenons le coup, mais c'est juste. Il nous faut absolument des renforts. Bon débarras, laissons-le aux martiens. Branchez-moi sur votre relais TV. Croyez-moi. Pas sur parole. La galaxie est en danger. Est-ce que j'inventerai une telle histoire? Oui. Branchez tout. Je vous le passe. Voilà ce que nous voyons dans nos écrans. Ça a l'air vrai, Robin. Dois-je remettre le contact audio? Mais on dirait que c'est la grande chute du prince Jean. Remets le contact. Donnez-moi vos coordonnées. Je vais les faire passer dans l'ordinateur et nous pourrons décoller à plein gaz. Les coordonnées parviendront en priorité. Robin Lafusée, je vous suis reconnaissant. Nous allons oublier nos querelles et nous unir pour défendre la galaxie. Je vous attends avec impatience. Ne quittez pas l'écran de l'œil. Retracez la trajectoire de Robin aussitôt qu'ils seront en vue. Je veux savoir où est Sherwood. Et aussitôt que je saurai, je le détruirai, lui et ses hommes, pour toujours. C'est le commencement de la fin pour Robin Lafusée. Un plan si fourbe et si malhonnête peut-il réussir? Le prince Jean réussira-t-il à détruire Robin Lafusée pour servir ses ambitions? Filant à une grande vitesse dans l'immensité de l'espace sidéral, l'astéroïde de la nouvelle forêt de Sherwood sert de quartier général à ce héros fantastique, matamor du 30e siècle, Robin Lafusée. Oui, voici le seul et unique Robin Lafusée, qui va de galaxie en galaxie à la recherche d'aventures extraordinaires. Les méchants larrons interplanétaires tremblent dans leurs bottes spatiales quand ils entendent son rire éclatant et qu'ils ressentent les effets de son électro-bâton. C'est Robin Lafusée, le sympathique aventurier astral des années futures. Robin Lafusée, le joyeux hors-la-loi de l'espace interplanétaire, est le descendant direct du Robin des Bois des temps anciens. Avec un rire heureux, facilement moqueur et un carquois toujours plein de flèches futuristes, Robin vole les riches du cosmos pour ensuite donner aux pauvres de l'espace. Il est rapide. Il est amusant. Il est fantastique. Robin Lafusée, le plus joyeux des joyeux compagnons de l'an 3000. Nous allons voir Robin Fusée aux mille et un talents. Dès que le vilain paraît se vainqueur, c'est nous qui sommes les meilleurs avec Robin Fusée. Avec Robin Fusée. Ta trajectoire comprend les calculs d'énergie pour une accélération maximum, Robin. Bien. Je n'aime pas te laisser seul, mais il faut qu'il y ait quelqu'un ici qui connaisse l'équipement et qui puisse faire passer les renseignements vitaux dans l'ordinateur. Essaie aussi de montrer à Gilles comment marche notre opération, afin qu'il soit utile à quelque chose un jour. Oh, Robin!
Je crois qu'ils arrivent, sire. Excellent. Prenez notre croiseur le plus rapide. Rendez-vous à Sherwood, prenez en possession et attendez mes instructions. Il est dommage que je ne puisse informer Robin l'Affusé du mauvais tour que je suis en train de lui jouer. Mais je ne peux pas tout avoir en même temps. Allez-y. Bien, sire. On peut contrôler toutes les fusées d'ici. C'est la seule façon de se battre, avec tout le grand confort. J'ai branché toutes les fusées de réserve sur ce point de l'espace où se déroule le combat. Si chacun était à son poste, ce serait facile. Je n'aurais qu'à pousser ce bouton et ce serait le décollage. Attention, nous approchons de la flotte. Nous sommes prêts, mais méfie-toi d'un piège. Nous sommes prêts, et je recommande la même chose. Je suis prêt et paré au combat. Messieurs, je vous remercie. J'appelle le prince Jean. Je rappelle au prince Jean. Bienvenue, Robin l'Affusé. Quel est votre plan de combat? Nous suivrons vos ordres. Je n'en doute pas. Pour commencer... Cessez le feu partout! C'est fait! Tranquille, partout! C'est un piège! Attention, toutes les fusées! Demi-tour et décampons! Avant de partir, Robin, abandonne la lutte ou tu seras désintégré. Je veux que tu te rendes corps et bien. C'est pas mon genre! Ce n'est pas très amical, prince Jean. Je sens qu'on ne devrait pas vous faire confiance, sire. Je le vois très bien dans mon viseur, Robin. Je peux lui faire un bon petit trou dans sa fusée. J'ai assez travaillé pour préparer tout ça, Robin. Fais ce que je dis ou ton ami en subira les conséquences en premier. Regarde bien ton écran. Vois la situation, le shérif à Marianne. J'ai donné l'ordre de l'éliminer, de faire sauter votre astéroïde et de détruire tous vos hommes. Je t'ordonne de te rendre. Mes amis, je ne peux pas vous demander de faire ça. Certainement pas. Je refuserai. Se rendre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dis-le, Robin. Dis-nous d'aller nous battre, vite. Vous gagnez, prince Jean. Naturellement. C'est magnifique d'avoir des hommes si loyaux, Robin l'Affusé, vraiment. Qu'est-ce que je vais faire de la fille? Demandez-leur où est le donjon. Revenez à note. Nous avons un donjon parfait pour elle. Et celui-là, Gilles? Inventez quelque chose de gentil. Servez-vous de votre imagination, shérif. La morale de cette histoire, mon cher Robin, c'est que de faire le bien, ça peut mener très loin. On a notre idée là-dessus. Ce qui vous vaut d'être prisonnier. Votre erreur, c'est d'être trop rusé quelquefois, prince Jean. Donc le bon Robin vaincra ce terrible prince Jean? C'est ce qui arrive en général. Je change tout ça. Comme j'ai changé les Martiens, ils travaillent pour moi. J'ai réussi. Je peux tout faire maintenant. Préparez changement de trajectoire et position. Très doucement. Nous cacher. Toutes les fusées choisir cible. Ôter arme blanche. Charger missile guerre. Je ne serais pas Grolden l'infâme si je ne saisissais pas occasion magnifique offerte de jouer à tour au prince Jean. Je n'aimerais plus moi du tout. Je prends lui, Robin l'Affusé, et je suis le roi de Nantes. Maintenant qu'ils sont les prisonniers du prince Jean, que peuvent faire Robin et ses hommes pour arrêter Grolden l'infâme? Petit Jean, c'est le plus fort des compagnons de Robin l'Affusé, le plus musclé des aventuriers du cosmos des années futures. Ce Goliath des galaxies a la puissance d'un Hercule cosmique, l'énergie brute d'un météore en pleine course.
Il possède en plus une arme incroyable. L'électro-bâton. Malgré cette énorme force physique, Petit Jean est d'une grande bonté pour toutes les créatures vivantes. C'est le plus puissant de tous les compagnons et amis de Robin la Fusée. Petit Jean. Quand les problèmes de Robin la Fusée requièrent un examen sérieux, réfléchi, c'est le moment d'appeler à la rescousse le seul et unique frère Toc. Quelques-uns, comme le méchant shérif de Notte, le prennent pour un gros gras un peu fou et sans aucune importance. Ne le croyez surtout pas. Le frère Toc, dont le courage égale l'énorme appétit, n'est qu'un de ces étonnants personnages spatiaux que sont les joyeux compagnons de Robin la Fusée dans les fantastiques années à venir. Si le vilain se croit par terre, il changera d'idée. Car maintenant les jeux sont faits, nous sommes organisés. Voyez nos hommes qui déjà remplissent le ciel de mille éclats, c'est pour Robin Fusée. C'est pour Robin Fusée. Rapport des communications. La flotte auxiliaire d'invasion est en orbite stable et attend vos ordres. Bien, bien. Je suis un homme terrifiant. Prince Jean. Sire, l'ordinateur indique qu'une masse non identifiée est sur une trajectoire de collision avec nous. Sire, il y a un message du général Grolden. Dites au génie d'ordinateur de trouver une autre trajectoire et dites à Grolden que je lui parle dans un moment. Des ennuis? Ça me fait de la peine de vous voir comme ça. Ça ne fait rien. Je me concentre sur mon anniversaire et sur la façon dont je vais le célébrer en regardant ton exécution qui sera des plus intéressantes. Si je n'avais pas tant de plaisir à te détester, j'aurais presque pitié de toi, Robin. Tout ça, c'est injuste. Ces chaînes ne se brisent pas. Holden, félicitations. Cette attaque a été menée de main de maître. Naturellement, mais ce n'est pas encore la fin de tout ça, Prince Jean. Je dois vous dire avec douleur qu'il faut vous rendre immédiatement. Je n'ai pas le temps de plaisanter, Holden. Nous sommes menacés de collision avec une masse non identifiée. Pas en collision. Tous mes vaisseaux de réserve sont prêts à commencer combat. Il faut vous rendre. Toutes ces fusées pour percer armure que je vais lancer contre vous me coûtent très cher. Abandonnez. Si je refuse, sera combat mort, naturellement. J'ai proposition. Je vais conquérir Notte. Je vous nommerai le shérif. Je vous donne quelques moments pour vous penser un peu. S'il vous plaît. Prenez bonne décision. Chargez les canons avec des missiles. Nous n'avons que des armes blanches à bord. On en avait reçu l'ordre. Je ne vais pas me rendre à ce Grolden. Moi, shérif. Robin, qu'avez-vous à bord de vos fusées? Les armes les plus modernes et les plus mortelles que nous vous avons volées, sire. J'ordonne que la trêve entre nous soit rétablie. Non, vous l'avez brisée vous-même. Notte est en danger. Cela peut être ennuyeux. Shérif, c'est pas si mal. Il me faut votre aide. Que d'ennuis. Et j'ai besoin de tous mes combattants. Ainsi, vous devrez piloter vos propres fusées. Quelle récompense? Vos vies. Oui, c'était commencement. Libérez Marianne et Gilles. D'accord. Retour assuré à Sherwood. Bien. Et vous serez mon prisonnier jusqu'à ce moment-là. J'accepte. Sire, le général Grolden veut connaître votre décision. Dites-lui que le prince Jean a besoin de plus de temps. N'est-ce pas, sire? Appelez le shérif. Dites-lui de libérer Marianne et Gilles. Je ne bouge pas avant que ce ne soit fait. J'appelle le shérif de Notte. Répondez-moi. Sire, la fille est dans le donjon du château. Gilles, je l'ai enfermé. Libérez-les. Les deux? Tout de suite. Certainement, sire. Appelez Grolden. Dites-lui ce que vous avez décidé. Grolden, j'ai donc décidé. Moi, désappointé, Prince Jean. Mmh.
l'ordinateur nous indique que nos chances de gagner sont presque nulles. Pas tout à fait. Attendez. J'aurais dû faire un peu plus attention à tout ça. Pour appeler Robin ou Poussin, j'espère. Non ? Si c'est pas Robin... Robin, ici. Le shérif, tient Marianne. Il y a des choses qui se passent, alors j'ai poussé tous les boutons qui se trouvaient ici. Et je suis désolé, mais toutes tes fusées se promènent dans l'espace quelque part. C'est du renfort. Ces fusées étaient prêtes à venir dans ce secteur de l'espace. Et quand elles arriveront, l'ordinateur nous donnera de bonnes chances. De très bonnes, même. L'ordinateur dit qu'elles sont mauvaises, très mauvaises. Contrôles automatiques. Chacun de vous pilotera deux fusées. La deuxième conduite par la première, ne l'oubliez pas. C'est fait. Partons. Messieurs, j'aime beaucoup mieux admettre défaite complète que subir destruction totale. S'il vous plaît, retournons chez nous. Présent. Demain, j'envoie facture pour capturer Robin la fusée. La prochaine fois, différent. Bon anniversaire. Ah oui, bon anniversaire, Prince Jean. Dès que Marianne reviendra, il faudra organiser une fête pour vous. Amenez Marianne et le shérif aussi. Il ne faudrait pas qu'ils se sentent abandonnés. Ah, il était temps. Certain, mais prévu. Vous me direz si c'est bon. Le peuple a tellement de respect pour le prince Jean que ça pourrait être empoisonné. Mon peuple me respecte. Vous en avez la preuve dans ces cadeaux, Robin. Ouvrez ça, shérif. Nous sommes les hommes de Robin. Dans l'univers, nous ne craignons rien. Avec Robin Fusée. Le prince Jean, cruel tyran de l'espace, despote qui règne sur les territoires nationaux, terrestres et spatiaux, est l'ennemi juré de Robin la Fusée. Aidé de son ami, le méchant shérif de Notte, le prince noir prépare le jour où il détruira et s'emparera de tout le système solaire. Cela pourrait arriver, mais il y a Robin la Fusée. Robin la Fusée, hors la loi, défenseur des droits et de la liberté dans les années futures. Nous marchons tous de bien allure, nous allons tous vers l'aventure. Dans le ciel, comme nos fusées, aucun ne peut nous arrêter. Le garde son côté de Robin, il saura nous tracer le chemin. Je vous crie de joie, viens de l'acclamer, voici Robin Fusée. Nous marchons tous, rien ne nous arrête, c'est ensemble que donne nos prophètes. L'univers résonne de nos cris, pour allier et tous ceux qui ont Robin Fusée pour défendre partout la liberté. Et jusqu'au bout, nous dirons le coup